J'ose croire que vous avez eu un entretien fructueux avec Monsieur Owen. Oh oui, nous nous sommes entendus à merveille. J'ai appris que l'inventeur du sirop calmant de Staric était John Elliotson. Le docteur Elliotson? Voilà un nom qui surgit du passé. Il fut un brillant spécialiste du cœur avant d'être obsédé par la phrénologie et l'hypnose. Cela a ruiné sa carrière. Bien. Comment allons-nous procéder? Oh, sauf votre respect, Monsieur Darwin, je crois que je ferais mieux d'agir seul. Après tout, il serait fort regrettable d'attirer l'attention. Une approche judicieuse. Bonne chance, mon garçon. Oh, Monsieur Fry, si vous en avez un jour le loisir, n'hésitez pas à me rendre visite. Ah!
Où vais-je trouver ce docteur? Comme vous venez de le voir, l'application d'une pression trop intense entraîne parfois des résultats imprévus. À mon grand regret, je crois que j'ai détruit l'organe. Faites porter un cadavre. Tout de suite, Dr. Hudson. Je me fiche de votre morale. Et je me fiche encore plus de ces maudits patients. Allez, donnez-moi les clés. Oh, mais que faites-vous? Ça ne se voit pas. Je vous vire. Allez, du vent. Comment m'y prendre? En attendant, je vais reprendre mon exposé sur la phrénologie, la seule authentique. L'idée selon laquelle on peut établir des relations et des liens. Qu'est-ce qu'il y a? Jeune homme, faites quelque chose. Je dois voir Miss Nightingale au plus vite. L'une de ces brutes m'a volé ma clé, et personne ne vient par ici. On a volé votre clé. Ne bougez pas. Je peux peut-être faire quelque chose. Oh, merci. Merci mille fois, monsieur. Ré, où me trouver, monsieur? Faites vite. J'attendrai ici.
Gratitude, monsieur. Je vais annoncer à Miss Nightingale que je ne travaillerai pas un jour de plus dans cet endroit infâme. De sirop calmant sans l'autorisation écrite du docteur Edgerton. Difficile.
Le voilà, docteur. Nous allons bientôt reprendre notre expérience. Dans quelques instants, nous comparerons les cerveaux de ces deux spécimens. Et comme tous deux témoignaient d'un fort penchant pour la violence, nous devrions trouver des protrusions similaires sur des portions spécifiques de leur cerveau. Un cadavre avec des bottes ? Voilà venir la fin. Mais seul le commencement occupe mon esprit. Un avenir radieux, nourri du sang des visionnaires. Tout ce que je vois, c'est le sang d'un savant fou. Tu crois vraiment que le sang d'un vieillard arrêtera le grand architecte du genre humain ? Crawford Starrick forge le dessein glorieux de l'humanité. Ce qu'il forge, je le briserai. Tu n'es qu'un enfant. Un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. As-tu déjà réfléchi aux conséquences de tes actes, Jacob Fry ? Ou ton père ne t'a-t-il rien enseigné ? Distancé, c'est comme s'il était mort.
Watson est mort et la fabrication de sirop calmant a cessé. C'est un scandale. Fry entend livrer notre belle ville de Londres aux mains de la populace. Ou peut-être n'entend-il rien du tout. Merci, et se contente-t-il de jouer avec nos vies. L'asile est fermé. Toute l'infrastructure médicale de la ville est perturbée. Cet homme ne comprend décidément pas les conséquences de ses actes. Il s'agit assurément d'un anarchiste. Messieurs. Ce thé est arrivé des Indes ce matin. Par bateau. Transporté du port jusqu'à une usine. Où il a été emballé, puis apporté chez moi en carriole. Préparé à l'office et enfin porté jusqu'à ce bureau. Tout cela par des hommes et des femmes que j'emploie. Qui me sont redevables, à moi, Crawford Starrick. De leur travail, de leur temps et même de leur vie. Ils travaillent dans mes usines et leurs enfants feront de même. Et vous venez me parler de ce Jacob Fry. Ce misérable insecte insignifiant qui se prétend un assassin. Vous manquez de respect envers la ville qui œuvre nuit et jour pour que nous buvions ceci. Ce miracle, ce thé. Mes recherches sont sur le point d'aboutir. Notre ville bien-aimée n'aura bientôt plus à souffrir des agissements de ce minable criminel. Mais qu'en est-il de sa sœur, Miss Fry? Je l'étriperai de mes mains. J'en fais le serment. Un délice. Désolée de t'interrompre, initié. Je veux juste que tu saches que Sean et Rebecca ont échappé à Otsoberg. Berg dirige l'équipe Sigma, assistée de Violette d'Acosta, son experte technique. Il traque et tue des assassins depuis bien trop longtemps. Heureusement, tu n'as rien. Oh, t'inquiète. Ce n'est pas un super soldat des Templiers qui mettra fin aux glorieuses aventures de Sean Danger Hastings. Je m'adressais à Rebecca. En tout cas, la présence de Berg nous confirme que le fragment d'Eden est à Londres. D'après les données de l'initié, il s'agit du Suaire. Les Templiers ont l'air pressés de mettre la main dessus. Ils doivent savoir quelque chose qu'on ignore. Je ne sais qu'une chose. On ne sera pas de taille à affronter l'équipe Sigma. Je m'en occupe. En attendant, faites profil bas. Laissez l'initié poursuivre sa synchronisation des données.